Allô, bonjour, bienvenue une fois encore sur notre chaîne ISN Info. Aujourd'hui, on va continuer avec les layouts comme d'habitude. On va voir la troisième, bien le troisième layout qu'on a eu à voir la fois passée. La fois passée, on a juste travaillé sur les border layouts. On a saisi que c'est le border layout, c'est juste. Quand vous l'envoyez vers le nord, par exemple, il prend tout l'espace qui est là. Quand vous envoyez vers le sud, il prend tout l'espace qui est là. Si vous envoyez vers le sud, il prend pour tout l'espace qui est là. Quand vous allez envoyer sur le centre, il prend tout l'espace. Quand vous allez encore ajouter au fur et à mesure, il est en train de donner les espaces à certains éléments qui vont arriver nouvellement, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de d'autres choses carrément. C'est encore les layouts, mais on va cette fois-ci parler de des grid layouts. Comme j'avais annoncé, on va parler de grid layouts. Ici, il utilise le positionnement par abscisse et par les ordonnées. C'est ce que ça utilise ici. Donc on va voir ce qui c'est ces abscisses, ces ordonnées. C'est ici que ça représente quoi en fait. C'est le nombre de lignes. Ici, le X là, c'est le nombre de lignes, et ici, c'est le nombre de colonnes en fait. Donc, c'est sous forme de tableau. Et quand vous allez ajouter les éléments au fur et à mesure, il va au fur et à mesure les ajouter. Et aussi, compte tenu de ce que vous avez précisé ici, par exemple, à l'abscisse, on va voir ça dans un exemple, et vous allez plutôt mieux apprécier ça. Donc, là, je m'en vais créer une nouvelle classe que je vais nommer ici. Que je vais nommer ici une nouvelle classe qui va être ici. Je vais le nommer underscore grid layout. Ok, on génère la méthode statique là et on est dedans tranquillou pilou. Donc on le déclare ici en tant que new grid. Oh, grid layout rapido hélico. On crée le constructeur par défaut, d'accord, grid layout. Non, et on va instancier string diframe. Now, my friend Englishman, I greet you and I welcome you to my channel. Now, today I want to show you how you can use the grid layout to a position to position to or to put your component on in your continent. Okay, now we declare, as you know, everything is already, you know, those things already. Now is the same thing we do also like this code. Okay, we do the same thing. Now we come here, we say the default option, default close operation to close and exit. Set the title, we give it grid line out. Okay, we come next, we put set size, we set the size. Set the size, we put 700 for the width, and the height we put 6
500, okay. Now we set it in the middle, set location. Set location, set location relative to none. Okay. We don't forget to validate it. Validate and we show it visible. Visible, we tell it build two. Okay. Now we put some container. Like a panel, we choose over there. I did PL, PR will be new G panel. Okay, put some elements, put a P and one. Set, we declare the layout we want to use. Set a layout a PL. Set layout, yes. Why is the office lights? We say we declare a new grid layout. Is this one grid layout and next we set our frame content to pick our panel. Now we are ready to run our application. When we test, can run, that is our application will come on the front. Okay. Now we declare the variable, those variables we can want to use in the our application. We want to use a label, G label. I call it a label. File new G la label. Je le mets. And we declare the name for our label immediately. We put also G test field. Okay, give a df it equal a new G test field. Hey, loving cool heart. Huh? Sometimes loving can hurt you. Set colon 20. And we can use also G button. G button for icon. Button will be new G. And we call a name.
essayer. J'ai dit, j'y put some test, some string. The user cannot understand string. Okay, string is a program language keywords. Okay, put some text. Okay. Now we put we add our component. Our component will add it to our panel, our container. We add to add level and point add RTF. Yeah, but add button. Okay. Now we run our application. Now we have our element. Oh, it's not wait, that is our element who it come over there, because it make one line. You see, it's one line. In the element that you put it in the element. Yet we are not precise any position. You see, you are not precise anything. Now, if I see, if I write over there, two line and three colon. For instance, we restart our application to see. You restart it. Là, au moment où j'avais, il n'y avait rien ici, ce qui veut dire que il a pris un seul élément. Quand je vais encore ajouter un autre élément, il va encore ajouter à la ligne. Parce que on va faire le test avant de pouvoir modifier les coordonnées. On va faire le test avant de pouvoir modifier. Si je vais encore ajouter un autre bouton, on va encore ajouter un autre bouton. Je peux dire ton 2 2 2 1, on met ici 2 là, ce n'est pas de problème. Là on va encore ajouter ici PL point add bouton 2. Il sait que c'est lui qui reste, il a ajouté en même temps. On relance l'application pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il a encore ajouté. Donc lui, par défaut, il affiche les éléments pas en ligne. Il a déjà, c'est parce que on a rien précisé comme colonne, comme ligne. Donc il va toujours ajouter comme ça. Il va toujours ajouter au fur et à mesure que vous ajoutez, il va toujours ajouter. C'est ce que ça voudrait dire. Yeah, I want to show you that if you don't precise any element, anything in the grid layout, he will use another one line. You put all element, all component that you put on your frame in the one line like this. Now I want to precise the number of a line. I want to show two line and three colon. Okay, three colon. For instance, I restart the application. You will see the change. You see now, you see that you have two line, you have two line, line one, line two, and you have two colon. When I put another element again, you see that you will add another colon over there. Quand je vais encore ajouter un autre élément, vous allez voir que lui, il va encore ajouter une autre colonne ici, alors qu'il a déjà fixé
les lignes. Donc, je vais encore ajouter, il va encore ajouter. Donc, on va faire le test avec juste les boutons. Les boutons, ce serait bien. Les boutons, là, on va aller plus rapidement. On fait un CTRL V. Et ici, on fait bouton 3. Et ici 3 et ici on met 1 pour différencier quoi. Ok, là on ajoute ici on fait pl.add bouton 3. Et voilà notre nouvelle, voilà que l'espace là en bas là c'est vide, en bas là tout ça là c'est vide, tout ça c'est vide. Maintenant bouton 1 qui est venu selon la ligne, selon l'ordre qu'on a donné à nos composants, il est en train d'ajouter selon les lignes. Donc quand la ligne là va finir, quand je vais encore ajouter un élément qui va être de trop, vous allez voir que lui ne va pas apparaître. Quand je vais faire ici CTRL C, je fais qu'est-ce qui se passe, CTRL Z, je monte un peu, alors, je vais encore ajouter les boutons là, non, je vais bouton 4 pour différencier et bouton 5. Ok, on le fait ici. On fait ici 4. Donc là, on reprend. On relance. Vous voyez que il a, c'est toujours sur le sur la même ligne. Vous voyez, c'est seulement les deux lignes qu'il a mis, et la ligne, première ligne, deuxième ligne, et la colonne reste toujours fixe. Donc quand vous allez encore ajouter des éléments, il va encore ajouter jusqu'à ce que vous allez finir tout le tableau. Donc parce que vous voulez quoi, que nous voulons juste deux lignes et deux et trois colonnes. C'est ce que nous voulons. Maintenant, si je change ici, il y en a trois et deux colonnes. Le contraire, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il a changé ici. Oui, il a changé. Voilà, il a ajouté la ligne, la trois lignes, mais il a gardé ici trois colonnes. Pourquoi il a gardé trois colonnes? Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ah oui, ceci ne compte pas. Ceci ne compte pas. Selon les éléments qu'on a ajoutés, je vais lui encore changer ici 3. 3, 3. Je ne vais pas arrêter l'application. Vous voyez ce qu'il a donné, ce qui veut dire que la position là, je n'ai pas fermé l'autre application en tant que telle. Donc la différence c'était lui 2 et les 5 là. Vous voyez les deux lignes et les trois colonnes. Je vais fermer ceci. Je vais encore montrer autre chose qui était ouverte tout à l'heure là, que je disais que l'autre ne compte pas. Parce que vous voyez, par défaut, ça c'est la première ligne, la deuxième ligne, ça c'est la troisième ligne. Mais il a compté ici deux colonnes. Il a compté ici deux colonnes, mais le positionnement, vous voyez que la position des boutons est différent lorsque j'ai changé le niveau des colonnes 3. Vous avez vu que il a ramené ici, on a 1, 2, 3, 4. Ah, il a fait encore la même chose. Oui, il a fait encore la même chose. Donc ce qui veut dire que c'est la même chose comme les deux colonnes là. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse, à vous de voir ce qui
est bon pour votre application. Et c'est un travail un peu fastidieux si vous voulez utiliser ces éléments là. On les utilise, c'est pas qu'on ne les utilise pas, mais c'est dans une situation donnée et dans un cas précis où vous avez juste à mettre un peu quelques éléments sur votre interface et c'est fini. C'est seulement ça. C'est en ce cas là que vous pouvez toutefois les utiliser. Donc si je change ici encore, par exemple 6, je veux 6 colonnes et 3 lignes, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas aussi assez d'éléments pour pouvoir étoffer nos demandes. Vous voyez que il y a encore affiché la même chose parce que on n'a pas assez d'éléments. Par exemple, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir étoffer. Pour pouvoir étoffer nos éléments. Si je fais ici. Normalement, il n'y a pas assez d'éléments, Donc, il va falloir qu'on mette encore assez d'éléments. Parce que j'aurais encore changé ça là, jusqu'à là, ça fait encore bon. Vous faites l'idée que je voulais présenter hier, c'est ça qui est important. Donc, take it easy. And, il y a d'autres méthodes qu'on peut encore ajouter, utiliser. Donc là, on va voir ça dans d'autres vidéos. Lorsque l'occasion nous le permet de pouvoir les utiliser dans des applications très précises. Là, je vous dis merci bien de m'avoir suivi jusque là. Et à la prochaine, et n'oubliez pas de partager les vidéos, de me donner vos commentaires, des remarques sont là. Remarquez quelque chose qui ne va pas, dites-le moi, on va échanger et peut-être que je peux apprendre quelque chose de nouveau encore chez vous. Moi, je suis là pour apprendre. L'homme n'est jamais tranquille. Il apprend toujours. Il apprend de ses voisins, de lui-même. Il fait des découvertes de lui-même. Et c'est ça qui fait évoluer l'homme. C'est ça. C'est ça même la nature de l'homme, la nature humaine. Donc là, my friend, I thank you for show my video. To show my video now. I will tell you we will meet in the next time for to another video where we will explain boss layout, great bad layout, and at the end I will show you which layout is recommended for you, or you can use drag and drop interface. Our plugin who can help us to do this quickly, who you can use in your application. So I tell you ciao.